Hi guys, welcome back to our channel. Please if you are new for our channel, please subscribe, like and comment, and don't forget to turn notification bell for more updated video. Thank you very much guys. Today we got a new video. Say that a jinn attack a man or shaitan attack a man. So guys, you know, all the time when we're just reacting about jinn, we're supposed to be very brave, otherwise we run the camera. So thank you very much guys. We start our video. Let's start it guys. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On a demandé de capter pour le croissant de lune et l'étoile qu'il y a dans les drapeaux musulmans de plusieurs pays musulmans. A commencer par la Turquie, parce que c'est les Ottomans, l'Empire turc, les premiers, qui ont fait ça, qui ont mis ces symboles dans les drapeaux musulmans. Et puis plusieurs pays qui dépendaient de l'Empire turc, comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, je ne sais pas quel autre pays, ont mis ça aussi dans le drapeau. Et c'est souvent au-dessus des mosquées. On met le croissant de lune et les poils, comme symbole de l'islam. Alors que bien sûr, ça n'a pas existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça on sait, c'est venu sous l'Empire turc. Donc, les gens qui ont étudié ça, ils m'ont dit que ce ne sont pas des symboles de l'islam. Et que ce symbole était utilisé dans plusieurs religions avant l'islam. Bon, il y a eu plein de religions polythéistes, où on a mis beaucoup de symboles dans ce symbole de croissant de lune et aussi d'étoiles. Donc, on se demande si derrière ces symboles-là, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de djinn, il n'y a pas de shayatin, il n'y a pas quelque chose qui soit visible pour l'islam. Voici le sujet pour lequel on va capter, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليه الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Guys, let us be ready. Oh my God. Tu n'as pas confiance en moi. Ah, tu peux m'expliquer, tu as un lien avec les symboles de croissant de lune et d'étoiles, vers le drapeau musulman? Oui. Oui? Oui. C'est quoi le lien? Arrêtez. C'est quoi ton lien avec ces choses-là? C'est pour quoi faire? C'est pour perturber l'islam. Oui. Oui. Je suis un latin. Ah, tu... Oui. Je suis un latin. Le fait que les musulmans fassent le drapeau avec le croissant de lune, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Et pourquoi tu veux tout savoir? Mais je suis très curieux. Pourquoi tu veux tout savoir, toi? Pourquoi? Parce que je suis curieux. Parce que tu es curieux, quoi? Yeah, je suis un petit curieux aussi.
Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Quoi? Est-ce que tu acceptes d'être musulman? Non. Mais parce que sinon tu vas aller en enfer. هذه جهنم التي كنتم تعبدون سهل يوم بما كنتم تكفرون جهنم التي كنتم تعبدون سهل يوم بما كنتم تكفرون Le symbole du croissant de lune et de l'étoile. Qui a rajouté ça dans le symbole de l'islam? Ah, c'est des juifs qui ont fait que les musulmans ont pris ça comme symbole. Ils vont mettre dans leur drapeau, dans leur mosquée. Et quand on met ça au-dessus de la mosquée ou dans le drapeau, ça fait quoi? Ça appelle des djinns. Et les djinns, quand vous venez avec le drapeau, avec les mosquées, vous faites quoi? Vous vous installez dans la mosquée, vous prenez les musulmans comme otage. Ah non. Donc ça vous fait une porte d'entrée chez les musulmans pour pouvoir les dominer, les manipuler. Oui. Merci beaucoup pour ces informations. Tu vas te faire musulman. On va chercher tous les autres djinns qui profitent. Qui profite du croissant de lune et de l'étoile pour entrer dans la vie des musulmans. J'essaie de leur dire de devenir musulmans directement, ça nous évitera la إنا فتحنا لك فتحا مبينا
Le sacrifice qu'on fait là-bas, ouais. On l'a fait pour nous. C'est à tout moment qu'on verse du sang là-bas. En Israël. D'accord. Et tu as lien avec le croissant de lune et l'étoile qui sont dans le drapeau des musulmans? C'est le croissant qui est dans le drapeau qui est quoi? Ah, vous êtes les djinns du croissant? Oui. Les djinns qui sont dans les drapeaux israéliens. Dans les drapeaux israéliens? Oui. Les djinns, vous êtes dans les drapeaux israéliens? Oui. Le croissant? Oui. Oui. Nous sommes avec le croissant. Vous êtes avec le croissant? Oui. J'ai compris. Est-ce que tu acceptes d'être musulman non? Oui. Sinon tu vas aller en enfer. Regarde bien. Allez, il dit Jahannam. Tais-toi. C'est pour te sauver. Je veux pas que tu ailles en enfer. Alors, on va ramasser tous les humains qui font ce travail. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إن أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون إن أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون إن أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون إن أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون إن أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون إن أمره إذا أراد شيئا قل له كن فيكون
حينما أمرها إذا أراد يتنا. الله نور السماوات والأرض. 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 اللهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان من كيد الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان من كيد الشيطان كان ضعيفا. واو جايز اوه نو واي اوه ماي جاد. Wow, guys, unbelievable, serious. I was nearly to run my camera, serious. Guys, you see, I was just reading on the screen, they were just translate. They say that they live inside the mosque. Imagine if a jinn live inside the mosque, what about our houses? What about our houses? Will you be safe? No. So we go genie everywhere. Ya Allah, save us from this genie in this world. Ya Allah, save us. Serious, guys. If jinn live inside the mosque and say that we live inside the mosque and we take every day some Muslim, and when the sheikh asked him, why are you taking them? He said, we are going to suck their blood. And it's true, jinn live inside your veins. So if something go through to your vein, it means it just suck your blood. Like now, if you get injection, they put through to your vein. So it means everything go to your vein, it will take a whole of your body, and it is the thing will control you. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, guys, this is terrible, guys. Alhamdulillah, let me say alhamdulillah. Ya Allah, save us in our houses, because the mosque is there. I know in our house also will be there, but we pray to Allah to save us. So thank you very much, guys. I like more video like this, but it made me to feel like I was shaking my body. I was nearly to run, but thank you very much, guys, for sending me this link. And if you have link like this you want me to react, please go to the comment section, send the link, and I will get down. Thank you very much, guys. See you next video. Bye bye.